Bonjour tout le monde et bienvenue. Welcome to another video from Coffee Break Languages. Moi, c'est Marc, votre prof Coffee Break. Et aujourd'hui, notre vidéo va être en français. Now, we've put subtitles in the video to help you understand both in English and in French. So if you're learning French, then you can switch on the subtitles in French and we'll have every word that we've said in French available as a subtitle. Also, if you don't speak French and you're not learning French, then you can simply switch on the English subtitles. But make sure you do that and that way you'll understand everything that's being said. Alors, aujourd'hui, je suis à Nantes, dans l'ouest de la France, et aujourd'hui, nous allons nous mettre en route bientôt pour aller à Pornic. Pornic, une ville de Loire-Atlantique. Et à Pornic, il y a quelqu'un qui habite là-bas, quelqu'un que vous connaissez très bien. Je vais lui rendre visite aujourd'hui et vous pouvez venir avec moi. Alors, c'est parti, allez, en route! Très bien, et toi? Très bien. Tu as fait bonne route? J'ai fait très bonne route, bon, merci. Bon, c'est super. Eh bien, bienvenue officiellement à Pornic. Et puis surtout, vous tous qui nous regardez, bienvenue à Pornic. Pornic, c'est la ville dans laquelle j'ai grandi. J'ai passé toute mon enfance à Pornic. Et donc, bah, tiens Marc, est-ce que ça te dirait de visiter Pornic? Pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. Et vous, est-ce que ça vous dirait? Dans ces cas-là, je monte. C'est génial. Oh, c'est fantastique. Ah, c'est super. Alors, Pierre-Benoît, on est en route pour notre visite à Pornic. Eh oui, et je te propose d'aller voir le nouveau port en premier, ça te va? D'accord, ok. D'accord, donc, il y a un nouveau port, il y a un vieux port à Pornic, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est exact. D'accord. Et donc, là, on va aller voir le nouveau port parce que, bon, c'est quand même exceptionnel. Et puis, y a beaucoup de bateaux. Puis, il y a quelques restaurants, dont un café qui me tient à cœur. D'accord, ça a l'air intéressant. Alors, on y va? On y va, c'est parti. Et voilà, bienvenue au nouveau port. On l'appelle le nouveau port parce qu'il a été construit après le vieux port, bien sûr. C'est un port de plaisance, ça veut dire que, bien sûr, il y a énormément de bateaux, de voiliers, comme vous pouvez le voir. Bien sûr, cet endroit a une place dans mon cœur, parce que quand j'étais jeune, je venais ici pour faire de la voile. Et donc, j'ai passé plusieurs étés à faire de la voile. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer autre chose, d'accord? Donc venez avec moi. Et voilà, nous y sommes. Nous sommes au bout du monde. C'est un endroit qui me tient à cœur parce que j'ai passé quand même une bonne partie de ma jeunesse dans cet endroit, dans ce café, dans ce restaurant, avec ma famille, avec mes copains. Et donc, si un jour vous venez à Pornic, il faut absolument que vous veniez ici parce que la vue est superbe avec tous les bateaux, c'est génial. Voilà. Ouais, nous y sommes Marc, nous sommes à la faïencerie. La faïencerie, c'est un mot un peu compliqué quand même. Oui, qu'est-ce que tu dirais en anglais toi? Je pense qu'on dirait pottery works. D'accord, oui, parce qu'ils font beaucoup de choses comme ça, c'est vrai. Ouais, des bols, des plats, des... Oui, oui, des choses, oui, des... Et puis aussi, une chose bien, bien spéciale que j'aime offrir quand j'ai un cadeau à faire. Ou si je vais à un mariage et donc j'aime bien venir ici et acheter quelque chose de la faïencerie de Pornic et je vais vous montrer ce que c'est. Parfait. On y va? Allez. Ah,
Nous sommes donc au rayon des plats diviseurs. Mais qu'est-ce qu'un plat diviseur? J'adore. Je trouve ça très 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 pratique. Quand vous avez une pizza, une quiche Lorraine ou un gâteau que vous voulez partager, eh bien vous utilisez le plat diviseur. Alors je vous donne un exemple. Si vous êtes 5 personnes, vous commencez toujours au zéro. Et voici la première part, au numéro 5, ça fait la première part. Ensuite vous trouvez le deuxième 5, ça fait la deuxième part. Le troisième 5, le quatrième 5 pour la quatrième part, et la cinquième pour revenir au zéro. C'est génial comme système, on ne peut pas se tromper, et ça fait des parts équitables. Et ça, peut-être c'est le seul problème, parce que moi, j'aime bien quand il y a une part qui est un tout petit peu plus grosse. Voilà. Oh, ça, c'est super. Ça, c'est génial, et j'ai l'impression de remonter le temps. Et oui, parce que quand j'étais gamin, eh bien, en fait, j'ai eu comme cadeau un bol. D'accord. Et ce qui est sympa, c'est que sur ce bol, on grave son prénom. Donc, je vous montre, par exemple, vous avez Patrick, Paulin. Là, je vois qu'il y a même en anglais. Hein. Et puis, vous avez Pierre, Pierre-Yves. Donc, vous pouvez imaginer Pierre-Benoît, d'accord, dans ce style. Et ce qui est sympa, c'est que je prends tous les matins mon petit déjeuner en Écosse. Dans ce bol, j'ai toujours ce bol qui dit Pierre-Benoît. On a vraiment du bol d'avoir ça à Pornic. Allez, on est reparti, Marc, d'accord? Oui. Ouais. Alors, c'était bien la faïencerie? Oui, très bien, comme d'habitude. Ouais, ça t'a plu, et puis c'est vrai que c'est sympa, et j'espère que vous avez trouvé ça sympa. Alors... Alors, on va où maintenant? Alors maintenant, comme il fait très très chaud quand même, on va aller faire un petit tour de plage, et pas... Oh, attention, il y a une voiture qui arrive, pas n'importe quelle plage. Alors, quelle plage? La plage des Sablons. Plus connue... sous le nom de ma plage. Ta plage. Ouais. Ta alors, plage personnelle alors. Ben personnelle non, parce qu'il y a d'autres personnes, mais bon, ils savent très bien que je suis le roi de cette plage, bien sûr. Alors si vous voulez connaître Pierre Benoît l'été, vous venez à Pornic, vous allez à la plage des Sablons et ouais. Il va être là en train de se bronzer. Hein. Voilà, voilà, voilà. Je sais pas là. C'est... Alors tu tournes à gauche, à après gauche, là, tu t'arrêtes au stop, bien sûr. Ouais. Alors, tu viens là tous les ans? Oui, en fait, je viens là tous les ans parce que j'ai encore de la famille ici. Oui. Et donc, bien sûr, je ne les vois pas pendant le reste de l'année parce que je suis en Écosse. Et donc, je viens voir mon père, enfin, mes parents, mes frères et sœurs, mes cousins. C'est vrai qu'on a, quand même une très grande famille. Et puis, ce qui est sympa, c'est aussi que sur la plage des Sablons, je retrouve tous mes copains d'enfance. Ça, c'est bien. C'est hyper sympa parce que, bon, on se fait des petites fêtes, bien sûr, entre amis, mais on se voit l'après-midi sur la plage et on organise des fêtes. Et maintenant, même leurs enfants, maintenant c'est la deuxième génération, voire la troisième génération de la plage des Sablons. Et en fait, c'est marrant de voir qu'ils continuent la tradition. Quoi. Ouais, c'est bien. Et donc, c'est sympa comme tout. Tu sais, ma routine est un petit peu la routine des vacanciers ici. Le matin, je me lève assez tôt et puis j'aime bien aller faire un peu de marche ou un peu de vélo sur la côte. Bravo, bravo, ouais. C'est important. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai fait 30 km. J'ai trouvé tiens, ça pas mal. Ouais. Ouais, ça se voit pas, ouais, je sais, mais c'est quand même sympa. Et puis, après, je rentre manger avec mes parents. Ou alors, si je mange avec des copains au resto, il faut bien manger de toute façon. Hein. Oui. Et puis, l'après-midi, si j'ai peut-être des petites courses à faire, je l'ai fait parce qu'en début d'après-midi il fait vraiment trop chaud et puis après je descends à la plage 2-3-4 heures de plage à bronzer, à me baigner, à dormir si je suis sorti un petit peu tard la veille, tu sais. Et puis j'aime bien rentrer aussi peut-être une heure avant de dîner avec mes parents parce que j'aime bien faire une petite partie de pétanque avec mon père. Pas aujourd'hui, mais peut-être demain ou après-demain, je vais en faire une avec lui parce que bon, ce sont des bons moments qu'il faut apprécier.
Tout à fait. D'accord. Alors là, on va tu à vas la tout droit. Plage ouais. des Sablons. Ouais. La plage des Sablons, c'est à Pornic ou à... Autre part, non, c'est en fait, oui, c'est à Pornic maintenant. Mais en fait, dans mon cœur, la plage est toujours à Sainte-Marie. Sainte-Marie, c'est mon village. Il y a quelques années, Marc, il y a eu un référendum. Mm-hmm. Et, parce qu'en fait, Pornic, c'est tout petit. Hein, alors que Sainte-Marie et Le Clion sont deux communes, deux petites villes, qui sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus étendues. Et il y a quelques années, ils ont fait un référendum et la ville de Sainte-Marie et la ville du Clion, les deux ont été rattachés à la ville de Pornic. Okay. Donc okay. maintenant, on dit Pornic pour toute la surface des trois petites villes, si tu veux. Okay, d'accord, d'accord. Mais dans mon cœur, je dis toujours que j'habite Sainte-Marie et je vais à Sainte-Marie. Bon, c'est quand même bien. Bon, il y a les souvenirs, quoi. Hein. C'est pas facile d'effacer tous les souvenirs de jeunesse. Alors toi, donc ce n'est pas la première fois que tu viens à Pornic ? Non, en fait, je suis venu à Pornic pour la première fois il y a 8 ans, 9 ans, 8 ans. Je sais plus. Ouais. 8 ans. Ouais. Et c'était à l'époque, quand on faisait les premiers épisodes de Coffee Break French, en fait. Ouais, ouais. Et donc, on est venu avec Anna, ouais. à l'époque. Ouais, c'est vrai, pour, je m'en souviens. Faire des enregistrements. Bonjour, ma petite maison familiale. Et pour faire, en fait, des conversations avec toi sur la plage, la c'est plage vrai. Des Sablons. La plage des Sablons, c'est vrai. À droite, excuse-moi. Ouais, ouais, ouais. Et c'est cool. Puis, oui, c'était, j'ai de très bons souvenirs de passer du temps ici à Sainte-Marie, à Pornic. Très bien. Tu as aussi filmé quelques épisodes de Hi-Fi French. Justement, j'allais dire que nous avons notre projet de français pour les enfants. Ouais. Et en fait, on a filmé beaucoup des scènes ici à Pornic, à Sainte-Marie, ouais. avec Mathilde ouais. et avec Emma. Donc, ouais. Voilà, donc là, je sais où je suis. D'excellents souvenirs, quand même. D'excellents souvenirs. Pour puissions nous concentrer, pour garer la voiture, nous allons nous arrêter là avec ouais, c'est vrai, le par tournage. Contre, un petit peu, ouais, on va arrêter. Donc, à tout à l'heure. Ouais, à plus. C'est complètement dingue. Avant même que je ne descende sur la plage, je reconnais des gens. Attention. Dominique, je vous dis, elle est là, je savais qu'elle était là. Elle, c'est fantastique. Bon, on va descendre les voir. Donc voilà, bah écoute, on va se poser un petit peu, Marc, et puis on va discuter avec des personnes que je connais. Ok. Ah voilà, donc je suis avec une personne que je connais depuis très longtemps. Bonjour. Bonjour. D'accord, alors vous allez d'abord vous présenter, allez-y. Oui, moi je m'appelle Martine. Moi je m'appelle Aubin. Très bien, très bien. Donc vous êtes donc porniquet, parce que vous êtes à Pornic. Alors, nous sommes là en tant que, au moment des périodes estivales. Hein, nous venons surtout pour les mois de juillet et août, et puis les longs week-ends de l'année. D'accord, très très bien. Dans les beaux jours. D'accord, donc ça fait un moment que vous venez à Pornic. Voilà, oui, j'aime beaucoup le paysage, oui. le climat tempéré, la vue. Tout est magnifique. D'accord. Et alors, par exemple, toi, qu'est-ce qui te plaît le plus à Pornic ? La plage. Ouais. La mer, qu'est-ce que tu aimes bien faire sur la plage ? Me baigner. Te baigner, d'accord. Tu joues aussi ? Je retrouve les copains. Je retrouve les copains qu'on se connaît. Ouais, très bien. Donc tous les ans, tu reviens aussi ? Oui. Et tu revois les mêmes copains. Donc c'est sympa, c'est un peu comme moi et je suppose comme Martine aussi. D'accord, très très bien. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé à Pornic ? Oui, alors là, ça c'est. Il y a eu une expansion de magasins. Oui. C'est vrai que ça nous change quand même. Hein. Oui. J'aimais bien le Sainte-Marie d'avant. Ah. Je dis encore Sainte-Marie-sur-Mer, moi. D'accord, d'accord. Moi, je ne dis rien parce que c'est filmé. Hein, mais je vous embrasse. Merci beaucoup. Merci. Ok, au revoir. Voilà. Eh bien voilà, j'ai trouvé deux autres personnes que je,
que je connais. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Dominique. Ben, c'est super. Alors, est-ce que vous êtes porniquaise? Est-ce que vous habitez ici à l'année? Alors non, moi j'habite à Londres en fait, mais ma mère venait ici en vacances quand elle était petite, moi aussi, et maintenant je suis avec mes enfants. Très bien, très bien. Et alors, puis moi, j'y habite pas encore non plus à l'année, à la retraite, dans pas longtemps j'espère. Et j'ai 4 générations qui viennent ici, voilà. Ah oui, quand même, ouais. C'est pas mal. Et alors qu'est-ce qui vous plaît le plus à Porny? La mer fraîche, déjà, pour commencer, qui est extraordinaire. Ouais. Les gens sont super sympas. Je vois ça. Ah, ouais. Bah ouais, voilà. C'est un soleil extraordinaire qui bronze comme nulle part ailleurs. Et non, c'est une ambiance formidable. Moi, les paysages, l'ambiance et les amis. Bah oui. Hein, les amis, hein. Oui, désolé pour hier soir, je travaillais. On s'est bien marré même sans toi. Ah, oh, c'est bien, d'accord. Merci beaucoup. Voilà, donc nous avons quitté la plage des Sablons, Marc. La plage des Sablons. Et là, devine où je t'emmène. Bah, je sais pas. Je t'emmène quelque part où tu vas pouvoir te poser et puis déguster quelque chose de très très bon. Ok, je pense que tu parles des glaces peut-être. Oui, je vais t'amener à la fraiserie. À la fraiserie de Pornic, super. Ok, j'ai bien envie de manger une glace. Eh ben, c'est parti, on y va. Alors, on y va. Eh bien voilà, nous sommes au cœur de Pornic et derrière moi, je pense que vous apercevez le château. Ce château, on ne peut pas le visiter malheureusement parce qu'il appartient à des particuliers. Mais il y a une journée chaque année, la journée du patrimoine, et pendant cette journée, il est possible de le visiter. Donc si vous venez un jour à Pornic, essayez de faire ça, essayez de coïncider avec la journée du patrimoine. Moi, personnellement, j'adore parce que tous les 14 juillet, il y a un superbe feu d'artifice au-dessus du château. Et je dois avouer que, en ce qui me concerne, c'est peut-être le meilleur feu d'artifice que j'ai jamais vu. Bon, je suis porniquet. Voilà. Et derrière moi aussi, vous apercevez la mer. La mer, c'est quand même un des symboles, je dirais, de Pornic, parce que Pornic est aussi réputé pour ses activités nautiques, ses sports nautiques. Bien sûr, il y a le port de pêche, mais il y a aussi le port de plaisance. Et il y a quelques années aussi, le Tour de France à la voile est en fait partie de Pornic. Donc, bien sûr, Pornic est aussi très réputé pour tout ce qui est mer et plage. Voilà. Bonjour, alors d'abord vous allez vous présenter, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Aude. Aude, ouais. Et moi Louise. Louise, très très bien. Alors je peux vous demander, est-ce que vous êtes à Pornic? Est-ce que vous habitez à Pornic ou alors est-ce que vous êtes là juste en vacances? Non, mais on est venu passer juste la journée, sinon on habite à Nantes. Vous habitez à Nantes, d'accord, très très bien. Donc pour les études, je suppose aussi, vous êtes à Nantes, études. D'accord. Qu'est-ce que vous étudiez, je peux me permettre de demander? Vétérinaire. Oh, ça c'est beau, ça, très bien. Et vous? Pareil. Pareil, bah, très très bien, d'accord. Alors, donc ce n'est pas la première fois que vous venez à Pornic? Oui, on est venu plusieurs fois. Plusieurs fois, très très bien. Et alors, d'après vous, qu'est-ce qui fait le charme de Pornic? Qu'est-ce qui vous plaît quand vous êtes à Pornic? On a la plage. Oui. Ouais, les paysages, les petites criques, c'est agréable, c'est calme et voilà. Le port aussi est sympa. Gentils. D'accord. Et pour sortir le soir? On sort pas, sorti, oui. Ne sortez pas le soir. On sort à Nantes du coup. D'accord. Ah ben écoutez. On dort pas ici, du coup on rentre chez on passe nous, bien que la journée. Et après, on rentre. D'accord. Voilà. Et ben je vais vous laisser terminer votre glace. Merci. Et merci. Puis je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Attends Marc, parce que là il y a un truc tout nouveau et je te jure que ça n'existait pas l'année dernière. Donc si ça te dit, je vais aller poser quelques questions, je veux savoir en fait ce que c'est, parce que je suis très curieux. Allez, on y va.
Alors bonjour. Bonjour. Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter, comment vous appelez-vous? Mélanie. Mélanie, alors moi c'est Pierre Benoît, enchanté. Enchanté. Alors je reviens un petit peu sur Pornic et je m'aperçois que ici c'est nouveau pour moi parce que je ne connaissais pas. Enfin, c'est un restaurant, c'est quoi? Alors c'est un bateau à huîtres principalement en fait. D'accord. On est ouvert de 11h à 22h. Et vous êtes ouvert depuis combien de temps? On a ouvert sur le quai au départ le 3 mai. D'accord. Donc ça fait pratiquement 3 mois. 3 mois, oui, d'accord. Voilà. Et ça marche? Oui, très bien. D'accord. Oui, donc voilà. Vous servez des huîtres, donc? Des huîtres. Et puis là, depuis 3 semaines, on propose aussi d'autres produits, des pinces de crabe, des crevettes roses et puis des bulots. Voilà. C'est super, oui. D'accord. Et puis on fait bar aussi. Ah, donc c'est aussi un bar. Oui, d'accord. Donc le soir, on peut venir juste pour prendre un verre? Oui, tout à fait. D'accord. Ou l'après-midi, un café. D'accord, très très bien. Et autrement, en produits locaux, quand vous servez des huîtres, vous servez aussi le vin de la région, oui, je suppose? On propose, oui, on accompagne les huîtres, en fait, contrairement à la tradition, on ne met pas de muscadet au départ, on propose, d'accord, un gros lot gris. Ouais. C'est un vin local, un vin. Ah oui, ça, je connais et très on bien. On travaille avec deux domaines du coin qui sont à Arthon-en-Ray et à Sainte-Pazade. Ah ben c'est super, d'accord. Et est-ce que pour l'instant, la saison a été bonne? Très bonne. Très, oui, bonne, très vous êtes contente? Oui, d'accord. Très content. Bon, c'est apprécié. On n'a pas toujours l'occasion de venir dans le port de Pornic, donc c'était l'occasion. Ah bah là, oui, c'est de venir c'est, à bord. C'est super. Bon, bah, merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite une très bonne saison. Merci. D'accord. Merci. Et puis peut-être un de ces soirs. Oui, avec plaisir. Je vais me reprendre un verre. Avec d'accord plaisir. Au revoir. Merci, au revoir. Et voilà. Alors, on est où, Marc? Là, on est au vieux port de Pornic. Bravo. Et on est à côté de la fraiserie. La fraiserie, alors ça c'est génial. C'est une exploitation familiale qui vend des glaces. Et bon, ça marche du tonnerre bien sûr, parce que les glaces sont à base de fruits naturels bien sûr, qui sont fabriqués à la fraiserie. Donc c'est que du bonheur en fait. Et bah, moi j'ai chaud, donc moi j'aimerais bien m'en prendre une. Moi aussi, alors on y va? On y va. Alors juste avant, ouais. Et je vais dire tout ça en anglais. J'ai envie d'en manger une, hein. Ouais. Alors dépêche-toi. Just, we hope that you've enjoyed this slightly different episode of All Things Coffee Break Languages, and that you have learned something in this. There's been lots of new vocabulary. We have obviously put some of the vocabulary on the screen, and of course, if you've been using the subtitles, then it should have helped too. Now, if you'd like more videos like this to help you with your French or indeed other languages, then make sure you subscribe to Coffee Break Languages here on YouTube. And of course, what happens when they subscribe? Ah, you've got a wee bell icon, haven't you? The wee bell icon appears. Click on that, and that way you'll be notified when there are new episodes available. So, like this video, post a comment, let us know if you've ever been to Pornic or what you've learned in this video. And of course, don't forget to subscribe. We are off to have some ice cream now. Merci beaucoup et à la prochaine. Salut! Il n'y a pas de plat diviseur là en fait, donc je vais prendre la plus grosse. Je rigole. Ce sont les mêmes. C'est délicieux. Délicieux aussi. Oh, ça fait longtemps que je n'en avais pas mangé.